Bonjour chers amis et bienvenue chez nous, à la maison de l'Orchestre national d'Île-de-France. Nous étions impatients de retourner au travail depuis le début du confinement et nous ne pourrions pas être plus heureux de jouer pour vous encore. Merci d'être là pour nous et nous sommes honorés d'être là pour vous en cette période difficile où nous avons plus que jamais besoin des arts et de la musique. Nous avons imaginé cette série pour vous en attendant de nous retrouver dans une salle de concert. J'ai souhaité débuter par un chef d'œuvre du compositeur anglais Ralph Vaughan Williams, Fantasia on a Theme of Thomas Tallis. Avec les musiciens divisés en deux groupes, cette musique transmet la beauté et l'optimisme qui nous mèneront hors de cette période vers un avenir meilleur. Thank you.
Thank you.
Concerto. Bravo, Bison Orchestre. Il est possible que Johann Sebastian Bach soit le plus grand compositeur de tout le temps. Et jouer sa musique, que nous avons tous étudiée et adorée en tant qu'étudiants, est un plaisir rare pour les grands orchestres comme le nôtre. Nous avons également la chance de présenter deux membres de notre propre famille en tant que solistes, Anne-Estelle Meduse et Alexis Cardenas. L'utilisation de l'harmonie et du contrepoint par Bach était si convaincant que son style de composition est largement reconnu comme étant le fondement de la musique classique au cours des trois derniers siècles. Aucun compositeur n'a écrit de musique qui englobe ainsi toute la gamme des émotions humaines. Et cette pièce est un exemple presque parfait de cela.
Et comme dessert, nous aimerions jouer une petite pièce de mon pays d'origine, les États-Unis. La valse du divertimento par Leonard Bernstein est une œuvre qui brille d'innocence et de l'optimisme. Je voudrais remercier Camilo Peralta, un de nos violoncellistes, qui a proposé cette musique. Et il a également aimablement accepté de jouer le solo aujourd'hui. Prenez soin de vous, mes chers amis, et au nom de l'Orchestre national d'Île-de-France et moi-même, nous vous disons merci beaucoup et nous avons tout hâte de vous voir la semaine prochaine. Bravo Camilo. Merci encore, mesdames et messieurs, et à tout de suite. Au revoir.